avec une incroyable remontada. Fini. Salut à tous les gars, c'est Sanox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Loan. Ça fait très longtemps que je sortais une vidéo parce qu'on ne trouvait pas forcément de terrain. Là on est au Havre, à Montgaillard. Donc on va faire, comme vous avez vu dans le titre, Italie-Angleterre pour la finale de l'Euro. Loan y représente l'Italie et moi l'Angleterre. Donc on va se dédier sur trois défis. Le premier c'est des frappes à 20-25 mètres. Donc le but c'est un but, c'est un point, et un arrêt c'est un point. Il a 10 frappes cadrées à faire. Deuxième défi, on va s'affronter sur des crossbars. Et puis dernier défi, ça sera des pénalties. N'hésitez pas à mettre le like, le commentaire et puis de vous abonner, ça fait toujours, ça donne toujours de la force les gars. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des travaux à côté. Et puis on est parti, bonne vidéo. C'est bien. Oh non! En bas. De deux. Qui vient la chercher? Bon les gars, là il y a 2-2. On va dire que c'est un peu la mi-temps, vous voyez, de la première manche. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Bah ça fait toujours plaisir, les gars, ça donne de la force. Et abonnez-vous bien sûr. Et puis bah les gars, on est reparti. Hein. On est reparti. C'est quoi ça? Bon bah les gars, il vient la rechercher, ça fait 4-2. Hein. Oh non. Oh, faut arrêter. Ça fait 6-2 les gars, il vient tout chercher. Ça me saoule là. Il m'explose. Et oui, monsieur. Oui, ça continue. 9-8. Allez, les gars, on y croit. Remporte les gars le premier round 10-9 avec une incroyable remontada. Bon les gars, on vient de finir la première manche. Loan il a gagné 10-9, c'était très serré, il a fait la remontada, j'y croyais pas du tout. Franchement je me débrouillais bien sur le début, sauf qu'il m'a vachement bien rattrapé avec ses buts de poteau rentrant ou lucarne, enfin ce que vous voulez. Donc ça fait 1-0 l'Italie sur la première manche. On passe à la deuxième manche, des crossbars. Et puis abonnez-vous, mettez like et commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est parti. Donc les gars, on a 5 crossbars chacun, celui qui en met le plus a gagné, et puis c'est parti. Il va pas la mettre. Il va pas la mettre. Oh, 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 oh. Non, bordel, fais chier. Vous avez vu ce qu'il fait? Bon les gars, je suis obligé de la mettre ce crossbar là. Eh oui monsieur. Là je suis obligé de mettre la prochaine. Si je la mets pas, Loan il a gagné, donc là, c'est parti. Oui. Bon les gars, Loan il a gagné le crossbar 2-0. Franchement c'est une des premières fois que bah, il me bat sur une vidéo. Donc là pour l'instant ça fait 2-0 Italie. On fait dernier défi, c'est les penalties. Soit pour le 2-1 pour Italie, soit pour le 3-0 pour Italie. Franchement je pense que l'Italie ils peuvent gagner comme l'Angleterre. Enfin c'est du 50-50, c'est une finale. Donc c'est parti les gars, on fait les penalties. Il en a 5. Et puis on va voir qui sera le meilleur. C'est parti. Fini. Bon, c'est une fin de vidéo un peu tragique pour moi. Loan par contre il a très bien géré, il a fait une remontada. C'est la première fois qu'il fait sur la chaîne YouTube.
3-0 pour l'Italie finale. Mettez en commentaire votre pronostic. Moi, je verrais bien un 2-1 pour l'Italie, même si je préfère que l'Angleterre gagne, parce qu'il y a un joueur de Tottenham, bien sûr. Et puis voilà, Noël, t'as des choses à dire par rapport à la vidéo, comment ça s'est déroulé, parce qu'il est vraiment bien remonté. Bah, je t'ai écrasé. Voilà, bon, il dit qu'il m'a écrasé, ça s'est joué à pas grand chose que... Enfin, sur les pénaux, c'était compliqué. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, ça faisait longtemps que j'étais pas venu sur YouTube. Donc voilà les gars, abonnez-vous, mettez le like, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt sur YouTube. Le mois d'août, il y aura beaucoup de vidéos, peut-être une vidéo par semaine. Et puis moi, je vous dis les gars, à la prochaine. Never give up. France barre, attends. Comme ça, ça fait 3-1 quand même, tu vois. On sait jamais. 3-1 pour l'Italie. Du coup, ça me fait un point en plus, voilà.